Bug sur le logiciel antivirus Trend Micro Internet Security. Alors normalement c'est la version 12 pour vous le certifier. Alors, hop, ce que je vais faire ça. Voilà, 12, version du fichier 12. Donc voilà, Internet Security Trend Micro. Internet Security 12, la dernière version. Voilà, alors je pensais qu'il y avait le pare-feu et malheureusement, il n'y a pas de pare-feu dans cet antivirus-là. Enfin, pas pour ce niveau-là. C'est un peu dommage parce que bah, les concurrents, pas tous, la plupart le font. Donc, merci Trend Micro de vous mettre à jour. Sinon, comment voulez-vous gagner votre croûte, comme on dit? Donc, bug, décidément. Alors, paramètres. Ici, hop, voilà, là je suis dans la préférence de scan, machin, etc. Voilà. Ici, supprimer automatiquement les fichiers, voilà. Supprimer les applications, voilà, tout est décoché. Donc ça veut dire que ça ne me supprime absolument pas, puisque je ne les ai pas cochés. Ils étaient cochés de façon à ce que ça supprime automatiquement. Moi j'ai dit non, tu me préviens avant. Donc hop, c'est bon. J'ai appliqué, ok. Ok. Voilà. Bon, c'est un petit peu long à la détente, mais bon, c'est comme ça. Là, je ferme. OK. On va réactualiser. Alors, vous avez vu, il n'y a pas besoin de redémarrer. C'est bon, ça prend en compte tout de suite. Et en même temps, je vais vous faire voir au passage. Là, il me dit scan en cours, alors que j'ai désactivé le scan. OK. Bon, je sais pas ce qu'il est en train de branler, mais bon, j'ai désactivé le scan parce que bon, j'ai pas envie que ça scanne le PC comme ça sans arrêt. Alors au passage, je vous dis. Donc le bug, je vais vous faire voir la configuration, je l'ai réglé. Ok, vous avez vu, ça doit normalement ne pas supprimer les virus, ça doit me demander. Donc déjà, je vais lancer un scan sur le dossier zip. Voilà, configuration par défaut. Je vais essayer de voir si sur le dossier zip, qui est un format compressé et simple, que tous les antivirus arrivent à scanner. Mais apparemment, Trend Micro, ça lui pose un gros problème. Aucune menace. Bon. Alors qu'il y a quand même, je ne sais plus combien de fichiers là-dedans. Voilà, le dossier fait je ne sais plus combien. Donc on va extraire. Voilà, alors je vais l'extraire devant vous. Hop, c'est parti, on extrait. Eh ben, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est que Trend Micro, ben, il m'a pas écouté et il m'écoute pas. Alors je me suis dit peut-être je vais redémarrer le PC, et je l'ai fait hors vidéo. Eh bien non, il veut pas. Il va quand même me le dégager. Alors pas bien Trend Micro. Je voulais plus retester Trend Micro parce que ça m'avait déçu. Un petit peu quand même, hein. Pas totalement, je ne veux pas être non plus aussi vache, mais voilà, je me suis dit, on est en 2018, bon, peut-être qu'ils se sont un petit peu réveillés un peu plus, mais apparemment, bah, ils n'ont pas fait grand-chose. Mis à part mettre protection anti-ransomware, nouveauté, bah oui, mais ça, bon, voilà. Qui ne le fait pas? C'est facile de dire je suis le premier anti-ransomware, je suis le premier. Oui, mais faut aussi dire que tu es le premier à faire des conneries et à ne pas prendre en compte la configuration. Donc voilà, bah, ça commence. Hop, il m'a déjà fichier supprimé, carrément. Bah, c'est carrément supprimé. Là, pour l'instant, c'est à 2, ok. Alors, vous voyez, par rapport à la configuration, bah, ça ne fonctionne pas du tout. Windows 7. Alors je ne vais même pas essayer sur Windows 10 parce que ça va être pareil. Voilà, hop, il me les dégage. Là, c'est carrément un point GIF. Voilà, bon, en fin de compte, voilà. Bon, je vais pas terminer tout le dossier parce qu'il est assez balèze, hein. En extraction, il fait plus de 1 giga. Voilà, un peu plus. Vous voyez, il est en train de me dégager les fichiers. Alors que je lui ai dit. Non, ne les supprime pas. Mais bah, c'est plus fort que lui, Trend Micro.
Les supprime. Alors, je ne sais même pas où est la quarantaine, parce que je n'arrive pas à trouver la quarantaine. Apparemment, ils y sont. Mais là, clic droit dessus, OK. Je ne vois pas. Bah, vous voyez, il est toujours en train de continuer à me supprimer des trucs. Voilà. Vous voyez, hop, menace. Alors, en savoir plus, c'est ici. Alors, quand on clique sur en savoir plus, il vous met carrément le nom des menaces, tout ça. OK. Je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Donc, virus, virus, OK. Mais je n'arrive pas à trouver la quarantaine. Même par la console, je ne vois pas la quarantaine. Alors, par contre, quand on clique dessus, ici, on peut restaurer. Mais je ne vois pas la quarantaine. Alors, si quelqu'un éventuellement sait où est la quarantaine, moi je veux bien. Voilà. Alors, vous voyez, il continue, hein. Bon, j'ai arrêté l'extraction, mais apparemment, ça continue. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez vu ce que vous avez vu. Libre à vous. Et je vous rappelle que cet antivirus n'a pas de pare-feu. Donc, pour celui qui cherche une solution antivirus avec un bon pare-feu, c'est pas du tout celui-là que je vais vous recommander. Et loin, loin de ça. Voilà.